Salut tout le monde, c'est U152 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale un peu gameplay sur Minecraft, enfin plus précisément sur le launcher Ascentia pour une petite survie pour la chaîne. Donc je ferai peut-être des vidéos dessus assez régulièrement. Puis en parlant de Minecraft, je vais peut-être recommencer ma série avec Main Games, mais faut que je récupère la map parce que j'utilise plus le même PC. Donc voilà, alors on va commencer tout simplement. Alors là, je viens à peine de créer le monde, et puis c'est pour ça que j'ai rien du tout. Et donc en fait, je vais absolument rien faire à chaque fois entre temps. Tout ce que je vais faire dans cette map là, je le ferai avec vous. Vous serez toujours avec moi pour certains, si vous voulez dire des conseils à faire. Alors pour ceux qui pensent que je n'ai tout, je joue en normal, donc j'aurai les monstres, donc la nuit, et ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire une bonne survie. Et on va éclater la gueule à tous ces monstres. Voilà ce qui a été dit et dit. Donc pour le moment, je récupère du bois parce que c'est un peu le but et tout. Si t'as pas de bois en survie, tu peux rien faire. Donc pour le moment, là, je crafte juste un peu de bois. Je préfère personnellement, moi, le chêne, parce que le chêne, personnellement, je le trouve beau. Et mais pas le reste en fait. Bon, voilà, on va éclater un peu pour recevoir. Pour recevoir, voilà. Parfait, vas-y, on va se mettre ici, on va se mettre au niveau de l'eau. Alors. Voilà. Merde, c'est vrai, c'est pas comme ça. Voilà. Un atelier. Ouais, qu'est-ce que je fais? Ouais, je le mets là. Je vais crafter ensuite tout le reste. Et voilà, donc déjà on commence à peu près. Alors on va se. Je regarde juste mes succès au cas où. C'est pas là. C'est ça. Ouais, faut que je coupe du bois. Bon, ok, alors on va couper du bois. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, je vais péter ce bois-là. Et je vais ensuite. Je vais commencer en fait. Alors. Oh, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Ensuite. Voilà. Là, il faut que je fasse ça pour ensuite faire ça. Une épée. Ensuite. Une pioche. Et ensuite. Une houe, alors voilà. Voilà, tout est bon. Là pour le moment, on est bon. Alors, voilà, on est bon là. On va éclater cette vache là, voilà, pour récupérer tout ce qu'elle a. Ensuite, on va éclater ce poulet là. Faudrait que je tente de faire un élevage de ces. Un élevage, mais. Peu importe, hein. Pour le moment, ça c'est bien. Faudrait juste des moutons pour que je puisse faire un lit. Ou si jamais je me fais éclater par des monstres. Voilà. On va essayer de pas aller trop loin non plus. Toi aussi, tu vas crever. En mode bourrinage. Et voilà. Donc c'est bon. Putain, c'est quoi cette vache là? Bon. On fait quoi? On fait la maison sur le truc ou. Oh bah c'est parfait, en plus il y a une mine juste à côté. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maison. Je vais la faire ici. Petite maison là, tranquille. La toute petite maison. Voilà, vraiment avec rien que dalle. Alors. On va pas y aller tout de suite parce que sinon ça va être foutu. Faut d'abord que je récupère un lit. Donc je vais crafter encore et puis je vais récupérer un mouton. Voilà, ça ira là. Je récupère juste ça et on va y éclater du mouton. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Je vais aller comme ça. Je vais me mettre là-dessus et je vais essayer de voir aux alentours s'il n'y a pas un petit mouton. Ouh, j'ai failli tomber. Comme ça évitera de.
Ça m'évitera de perdre là où j'étais. Sans déconner, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je fais un monde, je tombe sur tout. Donc là, il n'y a pas de cochon, mais c'est pas grave. Je tombe sur tout, mais je tombe jamais sur des cochons. Voilà. Et les moutons, je sais jamais où est-ce qu'ils sont. Sans déconner, putain, ça me saoule ça. Du coup, après, je peux pas faire de lit, puis je vais éliminer, je vais me faire éclater. Alors, moi, de ce que je sais, à chaque fois, ils sont souvent proches. Oh, bah, cool. Tiens, meurs, meurs, meurs. Voilà. Souvent, ils sont près de l'eau, de ce qu'on dit. Et bah, alors. Et bah, il y en a pas. Et bah, super. Merci. Pâté, pâté, mouton! Ils devraient faire un truc où on peut attirer les moutons, donc comme ça ce serait bien. Au lieu d'aller tout le temps les chercher et puis de les shooter en quelques secondes. Bon, moi je retourne chez moi parce que sinon je vais me perdre. En plus, déjà qu'à l'origine j'ai pas de sens de l'orientation, alors dans un jeu ça va être pire. Donc voilà, ça devait être par là. Et voilà, j'ai déjà faim. Voilà, donc là il y a ma maison. Sans déconner, déjà ça c'est un des trucs qui me saoule en survie, c'est que dès que t'as faim, tu peux plus rien faire. Hein. Tu peux plus courir ou tu peux absolument plus rien faire. Et donc ça m'énerve. C'est pour ça que je fais pas de survie. Voilà, c'est pas vraiment une maison, ça c'est plutôt une cabane, mais bon, déjà ce serait bien. Alors. Voilà. On va les miner. Allez. On y va, on va miner. Donc on va éclater la pierre et tout pour que je me fasse un four, pour que j'aille brûler ma viande. Voilà. Bah, c'est parfait, je tombe sur du fer. Ah ouais, c'est vrai, je peux pas le récupérer, il faut que je me pioche en fer. Déjà, si là je reçois déjà du fer là, c'est très bon. Après, il faudra juste pas que je le perde, mais. Ah, mais sans déconner, c'est une bonne mine ça là. Regarde, on a encore du fer. Par contre, après là, ça s'arrête. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est qu'avec la pierre que j'ai récupérée. Donc, je disais, avec la pierre que j'ai récupérée, là, on va aller. Avec la pierre que j'ai récupérée, on va se faire un. On va se faire une petite un petit four. Oh merde, j'ai pas assez. Bon bah elle va recrafter. Bon, là je pense que ça devrait aller. Alors, à présent, maintenant je le redis, on fait le four. Voilà. Ensuite, on le met là. Et je vais me faire un coffre. Alors pour le coffre, on fait ça. Ensuite, je dois faire exactement le même schéma, mais avec ça. Voilà, parfait. Ensuite, là, je mets ça là. Là, là, là. C'est bon, le charbon, je le garde pour mettre ça là. J'y mets ma viande. Poulet, je vais y mettre poulet. Donc voilà, déjà là, on est bon. Ah oui, je n'ai pas fait ma pioche, comme j'avais dit. Donc voilà, ça je fais là. Et ça va être pile pour le pierre. Super. Voilà. Et voilà, petite pioche. Allez, maintenant on va y éclater tout ça. Déjà, je récupère mon fer. Ainsi que l'autre qui était là. Voilà, c'est bon ça, c'est bon, là on est bon. Oula, il y a déjà des monstres. Ah là, super. Oh,
bah super ça. Vas-y, niveau fer, je vais être bon. Par contre, les zombies, là, ça me plaît moins, là, ça. Alors, on est bon. Qui c'est qui me dit qu'on n'est pas bon, là? Alors, là, c'est la nuit. Donc, je pense qu'il y a des zombies. J'aime pas la nuit. Il se passe des choses dans la nuit. Ah oui, il faut que je me fasse une petite tâche parce que sinon je vais pas aller vite. Voilà, déjà je refais ça, je fais ça, je mets ça. Non, pas comme ça. Voilà. J'ai ma hache. Ça va être bien plus rapide. Par contre là c'est vrai, là ça va commencer à commencer à y avoir les zombies, les trucs comme ça et tout. Faut, je pense à me faire une armure. Mais bon, pour le moment là on commence à peine, on est bon, on stresse pas, c'est la première nuit, c'est pas la mort non plus. Au pire si jamais je me fais éclater, j'aurai juste à mettre en facile la technique de noob. Personnellement, moi je le redis encore, hein, on est bon, je la sens bien cette fois, pour une fois. Je dis bien pour une fois parce que je me fais tout le temps éclater donc. Voilà. Ah, ça c'est dire que tout est prêt. Exactement, voilà. Ah, ça je prends ça, je fais ça, je termine ma cabane. Ça c'est bon. Ça je garde, ça je vais virer pour avoir une petite vue quand même. Alors pour avoir du verre, ce qu'il faut c'est du sable. Là, le sable, il y en a plein là-bas. Je récupère full sable. Là, on vient de détourner carrément le sens du courant. Bon, non, je... Oh, attention, un zombie juste derrière. Allez, on y va, on y va. On n'est pas des tafiers. Go, go, go. Je vais mettre une petite musique épique. Hein. Oh mon dieu. Nous sommes envahis par deux zombies. Quoi? Tu veux attaquer par quoi là? Ah merde, non. Ah merde, j'ai plus de nourriture. Vite. Non. T'as tous les coups zombies derrière moi. Ça va, il est pas là. Ouf. Bon, allez, on récupère la nourriture et on la mange. Allez, vite, dépêche-toi. Alors, on va tout mettre dans mon coffre parce que sinon on va tout perdre et puis je vais encore rager. Alors, là, avant d'aller en expédition, la chair, je vais la garder quand même. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, le cuir, je vais la garder pour faire une armure. C'est bon ça, c'est bon. Bon allez. Quoi, j'ai déjà perdu tout mon charbon. Au moins on se fait le plastron. C'est pas comme ça? Ah voilà. La tunique en cuir. Merde. Voilà, parfait. Crois qu'ils sont partis. Bon, c'est bien, ça va être tranquille. Voilà, maintenant je fais ma petite porte. Hein, parce que tout avec moi est petit. Oh, putain. Il y a un squelette là-bas. Oh merde, putain, j'en ai marre. Je vais fermer les embouchures pour éviter qu'ils rentrent. Ah, ta gueule. Ah, elle me fait peur. Ouais, vas-y, je suis en ouf, moi, je les attends. Putain,
je vais me faire démonter, moi. Regarde tout ce qu'il y a. Mais c'est pas juste. Je commence à peine, c'est la première nuit, je me fais déjà éclater. Putain, j'ai pas envie de sortir, moi. J'ai pas envie de me faire éclater. Puis voilà, au moins il fait noir. Bon, tant que je suis derrière ma porte, je suis tranquille. Ah oui, par contre, ils sont rentrés dans ma mine, là, ça va pas le faire, là. Qu'est-ce que je peux faire avec du fer? Récupère ça. Et je vais faire. Une pioche en fer. Et une épée en fer. Et puis c'est tout, je crois que je peux plus rien faire d'autre. Voilà, ensuite. Ça, je vire. Je vire. Je vire. Je vire aussi. Ça, je garde avec moi. La pioche, je vire parce que c'est important quand même. L'épée, je la vire. Non, mais en fait, j'ai absolument rien fait, moi. Ah, salut, comment ça va? On n'était pas dans la même classe l'autre coup? Ah, salut. Ah, la technique de mob, ça n'a plus. Allez, on est des warriors, on n'est pas des warriors. Allez, vas-y. Ah non, rien à voir, je t'éclate. Allez, vas-y, peur. Toi aussi, je t'éclate. Rien à voir, rien à voir. Allez, voilà, le même. Vas-y, nous on est. Vas-y, nous on est là, tout le monde. Rien à voir. Tu es taché. Allez. C'était une blague, c'était une blague. Oh. Je ne veux pas les armer, c'est super. Je vais faire les moi. Je vais les. Ah merde, non, ils sont trop. Oh. Allez, je vais tomber dessus. Ils vont se la faire sans déconner. Et moi, je les achève. Et ouais, et bon, je suis comme ça. Moi, je les achève. Allez, vas-y, on est des warriors, il y a trop de secondes, on fait des plans des choses, on est des warriors, on les éclate tous. Limite, même j'arrive devant eux, ils sont en train de courir. Le mec, il s'invente des films là. Oh mon dieu, c'est un démon! Allez, mange. Bon bah. Oh la boucherie, sans déconner. Non, mais je veux que ça soit là-dedans, moi. Voilà. Bon bah c'est bien, avec la ficelle je vais pouvoir me faire un arc. Et il m'en faudra plus. Donc il faudra que j'éclate plus d'araignées. Ah, puis j'ai des flèches, c'est bien ça. T'en as pas un autre? Copain, revenez ici. C'est un ordre. Venez vous battre. Oh tiens, cool, une arc. Enfin, une flèche. Mais bon, c'est pareil. Là-bas, un zombie, c'est le fact final, attention! Et la bataille est imminente, c'est incroyable, Ali a gagné encore une fois, et là, oh mon dieu, un autre monstre, que va-t-il se passer? Eh ben, il va mourir. Ici, un troisième, oh là là, il est en train d'enchaîner l'équipe, il sait plus comment on court, mais bon, on n'est pas invincible non plus. Là-bas, un zombie tente de nager, si j'avais un arc, je foutais à distance, mais. Oh non, pas les gnomes, pas les gnomes! Pas les gnomes, non! Pas les gnomes, ils sont trop rapides. Merde, pas les gnomes. Pas les gnomes. Vas-y, viens me prendre. Non, pas les gnomes. Viens me prendre. Comment ça tu récupères mon item toi? Comment ça t'as une carotte? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il a une carotte ce zombie là? Ben moi tu vois je la mange ta carotte. Et ben voilà, toi tu peux rien faire non plus. Putain ça déconne, là je me prends trop pour je me prends trop pour Chuck Norris. Oh mon dieu, un creeper, attention, la bataille est imminente. Merde, non 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 ta gueule Enderman, non. Putain j'ai que dalle de vie, vite, cours 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 cours. Vite, la maison, vite. Rien à voir. On rentre. Oh, je me suis fait éclater. Et bon, bah voilà, à force de jouer au Warrior. Bon, sur ce, j'espère que cette
première partie vous aura plu. Like, abonne, et puis faites-moi savoir si vous voulez la suite ou si vous voulez que j'arrête parce que vous trouvez que je suis nul en survie ou des machins comme ça. Bon, allez, sur ce, à plus. Et je vous souhaite bonnes vacances parce que c'est bon, là on est en vacances, à part pour ceux qui sont encore en primaire. Moi je suis en vacances. Donc bah, pour ceux qui y sont encore ou pour ceux qui viennent d'y être, bonnes vacances. Salut!